Voir les autres. Voir ce qu'on est soi-même. Mais je ne sais pas qui je suis. Même en regardant les autres. J'ai l'impression d'être les autres. D'être en eux. D'avoir un corps vide. Quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. En fait, je suis malheureux. Je sens que je suis malheureux. J'en suis pas sûr, je le sens. Comme être heureux. Ça paraît si proche. La distance est si relative qu'on arrête d'attendre. T'as envie d'être quoi plus tard? Juste moi. Sans rien. Sans toi. Certains disent qu'il leur manque quelque chose. Moi, c'est plutôt une incertitude sur ce que j'ai déjà. Il y a un truc que j'ai. Un truc qui déconne. Comme si toutes les cordes étaient accordées, sauf une. Et il suffit qu'il y en ait une qui soit désaccordée pour que ça sonne faux. Pour que l'instrument soit pas utilisable. C'est l'écriture qui me libère, en fait. Quand j'écris, que mes doigts tapent sur la machine, l'accord se refait. Je joue à nouveau juste. J'aimerais juste qu'on me dise que je suis unique. Je me sentirais déjà plus moi, plus la personne que j'ai envie d'être. Un truc du genre. Je sais pas, parfois j'ai le sentiment de me priver de quelque chose, de ce que je pourrais être. Il reste quelque chose que je connais pas, que j'ignore, un truc caché qui est là, un truc que j'ai jamais su, que je sais, mais que je sais pas. J'arrête pas de me chercher. C'est étrange de pas se connaître. Thank you.
Les femmes, je crois pouvoir les comprendre. Mais là, cet homme juste en face, il était insaisissable. Cet homme, c'était moi, mais aussi un autre. Il me ressemblait. Voilà pourquoi il est inaccessible, si complexe. Comment comprendre l'autre quand il paraît être comme soi ?